Au Bénin, le parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires et politique Sébastien Ajavon a tenu samedi 15 décembre 2018 son congrès extraordinaire de mise en conformité aux dispositions de la nouvelle charte des partis politiques. Le parti a enregistré de nouvelles adhésions de membres fondateurs. Il s'agit entre autres de la Renaissance du Bénin El Soglo, le parti social-démocrate El Golou. Ensemble avec l'USL, nous allons pouvoir répondre aux attentes de nos populations qui veulent avoir un visage unifié de l'opposition. Tout sauf talent, Michel Béa. La seule solution, c'est l'union. Le Conseil national du parti FCBE, tenu le 8 décembre 2018, a fait une proposition de porter la liste unique de l'opposition. Cependant, la question de la forme que prendra la participation de l'opposition aux échéances électorales de 2019 peine à être claire. La conformité à la loi de la République ne signifie pas que nous devons rester divisés. Le parti politique de tous ces Béninois silencieux s'appelle l'opposition. Point barre. Pour rappel, les congressistes ont recommandé l'adoption d'une seule liste de l'opposition afin d'espérer une majorité confortable aux élections législatives de mars 2019. Les tractations sont engagées dans ce sens.